Salut à tous les ploucs qui puent, on est reparti pour la nouvelle route du champion sur cette nouvelle saison avec Fenrir. Comme vous le voyez, bah, je ne suis pas classé et on va devoir aller chercher notre champion sur ce compte. Attends, dans la dernière saison, j'ai été le 47 200e meilleur joueur. Oh, c'est d'accord, très bien. Bref, là pour l'instant, nous ne sommes pas classés, donc les abonnés, je compte sur vous vraiment pour bien jouer et que ça, bah, ça se transforme en champion. Bah nous, point officiel sur Instagram, quand je fais les stories, je vous invite comme d'hab. J'ai invité les quatre abonnés là-haut. Et puis écoutez, bon, on est parti pour cette nouvelle route du champion. C'est parti! Oh putain, en attaque, la malédiction n'est pas levée. J'en ai marre. Ouais, très bon choix les gars, merci. En face, ils vont enlever parc ou stade bravo. Si jamais c'est pas ça, je sais pas ce que je fais mais je le fais. Bon, tu vois, j'avais raison. Allez, frontière. Oh, misère. Quelle honte. Donnez-moi un gros like les mecs, portez-moi chance. En vrai, j'ai bon espoir, vous savez pourquoi? Si en face, ils ont banni là, comme tu le vois, le bon vieux fuse, je me dis que c'est des plots. Est-ce que ma théorie est vraie? Bah ouais. Alors, on a du Buck, Nomad, Grim, Yana, Ash. Ça, je reconnais, c'est une équipe de gunners, les gars. Est-ce que je me rassure la conscience? Ouais, peut-être. Gros Nibar! Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout ce Rainbow Six, Yana? Faut qu'elle aille travailler chez Candia, les gars. Pas mal les bzez. Ouais, donc là, en fait, je suis sur mon compte principal, le compte où je suis tout le temps champion. Donc, je peux vous dire que là, faut vraiment tryharder. Donc, les abonnés que j'invite, hein, bande de plots qui pue, faites vraiment vos murs et votre stuff, posez-le. Parce que là, en face, ça va se la donner, ça va transpirer des bras. Et peut-être même du cul. Oh! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! T'es moi comment il a faim! Il a la dalle! Laisse-moi vivre! Oh frère, il avait la dalle! Oh, ça me choque! En plus, avant, j'ai simplement fait une partie rapide pour me chauffer. Autant vous dire que ça n'a pas trop marché. Bah écoutez, en tout cas, ça me fait très plaisir de recommencer ma route du champion. Voilà. C'est vrai que c'est toujours plus palpitant de les faire sur le compte principal. Wesh, on dirait Big Ben, les gars. Mais pas Aladdin, hein. Va falloir que je me chauffe, hein, je vous le dis. Là pour l'instant, j'ai aucun mouvement, les plugs. Ok, il y a une lésion. La Nomade, elle aurait pu l'avoir en vrai là. Dommage, on va continuer à le droner. Le sagouin, il est là, mon pote. Si t'as une flash, Nomade, je te jure que c'est un free kill celui-là. Ok, je te couvre. Elle a pris un cul. Un cul dans son cul. Ok, mon petit Grim, je te drone, vas-y. Bien joué, 4v4, bien ça, les gars. Faut se débarrasser du lésion, sa mère. Dommage. Je vais te venger, mon ami. Le problème, c'est que je suis quasiment en fait sur site, les gars. Et je sais, j'ai pas d'infos là. Est-ce qu'il va y en avoir un dans le coin à droite? J'en sais rien. Heureusement qu'il dronait, hein. Les gars, faut tenter quelque chose. Viens, Grim. Oh, Grim, il a lâché le diffuse. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Faut que je planche, je suis obligé. Aïe, 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 aïe. Ah. Let's go! On compte sur vous, hein. Ok, j'ai placé un petit drone, les mecs, histoire d'avoir un petit peu des infos. On a mis une attaque sur parc d'attraction. Je veux pas être optimiste, mais c'est un putain de très très bon point, ça. Je pense que c'est une bonne chose. Allez, opération droning, y'a personne là-dedans, let's go. Ils vont refaire exactement la même défense, les gars. Sauf que cette fois, y'a pas la Mira. Ok, y'en a un qui est coincé là-dedans, lui, faut l'avoir. Hein. Lui, on est obligé de le déglinguer. Les gars, je vous le drone, je vous mets des pings rouges, y'en a un qui est de le piquer. Eh putain, là, normalement, celui-là, je vous jure, on aurait dû l'avoir, lui. Hein. Ah là, c'est honteux de pas l'avoir eu. Y'en a pas été bon. C'est bon, c'est chose faite. Alors du coup, j'ai encore un drone. On va s'en servir pour un petit peu repérer les rumeurs. Mais est-ce que Kavira interroge Grim? Telle est la question. Il y a du Fenrir. C'est un très bon agent Fenrir, les gars. Si vous tombez dessus, franchement, faites gaffe. Je vous l'ai dit. Il y en a deux sur site, ok. Là, faudrait que le Buck il aille par en dessous, qu'il les déloge un peu, tu vois. La caméra là-haut, les plouks. En vrai, faut avancer méthodiquement, mais le problème, c'est que je suis pas encore trop chaud. Préfire. Et d'élimination, bien joué. Je sais pas si c'était qui. Ok, 3v3, c'est pas grave, les gars. Là, si on a un qui revient sur site, on a la grosse ligne. Ok, bon, c'est pas grave, tant pis. Bien joué, mon pote. Allez, je te couvre maintenant. Y'a une rota ou pas là-bas? Je sais pas. Non, c'est bon. Et là, je pense qu'on est très bien, les gars. Très bien joué, la petite plante, mon pote. Et moi, je crois que ça arrive dans mon bac. Bien joué, Nomade, elle gère. Ok, oh, GG, Nomade. Bien joué, ça. Franchement, là, on est en train de bien jouer, je trouve, avec les collègues. Bon, ça se passe bien. En vrai, à chaque. Wesh, wesh, j'ai bugué. En vrai, à chaque fois. What the fuck, what the fuck, c'est quoi ça? Arrêtez. Non, je suis bugué, les mecs. C'est bon, je suis plus bugué, les mecs. On a gagné nos deux dernières manches, en fait, sur un fil. Même sur un poil de cul, carrément. Faut qu'on arrive à élever notre niveau de jeu, les gars. Après, tranquille, hein, comme d'hab, c'est la première game. C'est là où on se chauffe, qu'on prend un petit peu les automatismes. Attention à ce trou, en fait, ça permet de lancer un C4 avec les défenseurs. Donc faisons preuve un petit peu de vigilance. Il y a des mecs, hein, derrière, juste ici, je les entends de ouf. Est-ce qu'il va y avoir des mecs gourmands au bac? Est-ce que vous aimez les gourmandises? Je vais être franc avec vous, je sais pas attaquer sur parc d'attraction. Je suis bien trop nul sur cette carte. Ok, 4v4, bien ça, les gars. On a de la Azami sur le site. Ok, je vais tenter un push en vrai. Hein. Je vais sûrement me faire refroidir, mais ça peut se tenter. Parce qu'il y a un mec derrière le trône. Il s'est cru pour Daenerys. Azami, elle est morte. Oh, j'en avais trois. Je peux le faire. Oh, c'est quoi tous ces Azami, les gars? C'est le labyrinthe. Oh, il y a un mec au bac. Ok, let's go, allez. J'ai pas le diffuse, les gars.
C'est mort, j'ai pas le diffuse. Ah, c'est tellement dommage. On a fait... Ah, il était là, on a fait une belle attaque en vrai, mais putain, merde. Si j'avais le diffuse, j'aurais pu tenter de faire quelque chose, mais ouais, je l'avais pas, malheureusement. On va galérer. Après, celui-là, c'est mon compte champion. C'est pour ça que je tryhard un peu plus, les mecs, et que je fais peut-être un petit peu moins de blagues que d'habitude. Alors attends, je vais essayer de tenir ce coin-là. Hop là, petit Fenrir, ok. Carrément, j'en mets un deuxième là, vite, et je l'active. Là, je mets une espèce de caméra pour les appâter. Et là, regardez bien le carnage, les gars. Ça peut être incroyable. Dès que mon Fenrir en face, il est rouge, je push. Parce que forcément, regarde, je les appâte, ils vont venir. Là, c'est le drone de Yana, on s'en fout. Ah, elle m'a vu, c'est pas grave. Ok, mon plan n'a pas forcément bien marché. Après, il est vrai que Fenrir, les gars, il est sorti il y a pas très longtemps, du coup, je le maîtrise pas trop encore. Ah, encore le drone. Il y en a un là-bas. J'en ai encore un qui est activé, du coup, j'aurai l'info si ça push. Ok, elle push. Ah putain, il y en a deux. Merde. Ah, j'ai pas les automatismes avec lui encore. Moi, je m'énerve pas. Tranquille, hein, ça va finir par venir. Oh les mecs, je suis choqué. On est en phase de préparation. Ils ont victoire par abandon. Oh, ils se sont cassés. Ils ont pas assumé. Ah, c'est la plus belle des victoires, ça. Oh, j'ai juré ma Frost, on dirait Ray et non pas Ray du cul. Je vous parle de Ray dans Star Wars. Bon, alors du coup, première victoire entre guillemets de la saison sur mon compte Spider-Man. J'espère gagner beaucoup de points. Ça va être la surprise un petit peu du chef. Déjà, je passe cuivre 4. Hein. C'est très bien. Et je prends 122 points. Grand bravo. Si on continue comme ça, les mecs, eh ben c'est une très bonne chose. Game suivante. Ah putain. On rattaque. Tu veux nous rendre nos fous? Oh les gars, faites-nous défendre un petit peu. En vrai, il y a consulat le rework, les gars. On va tomber dessus, vous savez pourquoi? Parce que nous, on va enlever Villa, la map du Sida. Et en face, comme c'est des trous de balles qu'ils ont aucun goût, ils vont enlever gratte-ciel. Exactement comme prévu. Oh oui! On avait une chance sur 3 de jouer une bonne carte en vrai, donc ça va. Oh putain, c'est un abonné en face sur Yoku. La tête de moi, avant de lancer les classés, les gars, j'ai fait une casu, je suis tombé avec lui. Oh, j'ai juré, c'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de malade, je vous jure, Soyoku, Zorix Prank, je suis tombé contre eux, enfin avec eux plutôt. En plus qu'avec ma mère les gars. La tête de ma mère c'était sur frontière. J'étais en game de casu, je faisais une partie rapide. Mais c'est pas pour... Non mais le destin des fois c'est un truc de malade. En plus c'est des bons petits gars, bah bonne chance à vous les gars. Mais si je suis votre youtubeur préféré, laissez-moi gagner. J'ai un champion, allez chercher. Eh par contre pourquoi j'ai 6 de ratio en élimination mort et en victoire défaite j'ai 0 alors que j'ai gagné ma game d'avant. Attends mais j'ai vraiment 6 de ratio, what the fuck. Allez bah écoutez c'est parti, on va pas les sous-estimer parce qu'ils vont tryharder forcément. Et c'est complètement logique en vrai. Moi ce qui m'emmerde c'est d'avoir l'attaque encore. C'est pas que j'aime pas en vrai attaquer, j'aime bien. Mais je préfère attaquer tu vois quand on est en train de mettre 3-0. C'est plus safe. Allez on y va doucement. Il y en a un dans la fontaine les gars. Mais d'abord faut nettoyer la CCTV. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne dedans. Oh il y avait un mec, je sais pas si vous l'avez vu. Oh je suis dégoûté. Non, personne fontaine. Là faut lancer des flashs en vrai les gars. Oh oh oh. Je te couvre mon pote. Ah ouais, il y a une mira et tout. Oh, ce que j'ai mis. On va leur rentrer dedans. Les abeilles repérées, ok, il est au bureau. Il me faut le diffuse, let's go. Vas-y Jackal, prends une trace de pied vieux. Oh mon drone il est trop loin, nique sa mère. Opaque, non les gars, j'entends un truc. Oh le 1v3 de toute une vie. Ah c'est chaud sa mère. Ah oh, ouais, c'était un peu chaud. Mais là c'était très dur. Ah Mira, elle est sortie des ténèbres les gars. Va falloir se concentrer parce qu'en face ils vont vraiment tout donner je pense. En vrai moi je pense que je ferais pareil hein. Si je tombais contre quelqu'un que je suis en youtubeur, forcément je me la donnerais pour gagner. C'est entièrement logique, hein. Oh putain, faut pas être hypocrite. Oh putain, je peux faire un carnage. Le carnage, il est en cours. Attends, ça c'est un Fenrir, faut le casser les gars, c'est trop important Fenrir. Il y en a un qui se balade au top. À mon avis, ça doit être, je sais pas, Solis, je le sens bien. Ok, 3v4, c'est pas grave les gars, tranquille. Là, tu vois, dans ce genre de situation, faut pas s'affoler. Voilà, très bien, je 3v3. Moi, c'est le bac là, qui me fait peur. Moi, je l'entends juste là. Tu vois, je l'entends bien depuis tout à l'heure. La patience, les gars, patience. Putain, lui, je l'avais pas vu, lui. Tiens, le Fenrir, je te casse ça. Le barbelé aussi. Et là, on est bien, en vrai, les gars. On est bien. C'est pas grave. Tranquille, je vais prendre un drone si je peux, si j'ai le temps. Histoire de le placer. Azamil, vote pour toi, Grim. Bien joué, mon gars. Très bien joué. Je suis content. Le plus important, c'est d'avoir mis justement cette attaque. Comme ça, après, on est plus serein pour la défense. Et là, si on pouvait remettre une attaque, ça serait exceptionnel. Alors, opération droning, tu connais. Je l'ai laissé CCTV. Il y a le Capcan. Ok, oh, Capcan, il va se prendre à travers. Théma. Non, parce qu'il est là, les gars. Il est juste ici. Regarde, bien, si je suis pas con, il a pas bougé. Ah, putain, il a bougé quand j'ai pris mon drone. Ah, là, c'est tellement dommage, ça, d'avoir des mauvais timings comme ça. Allez, bien joué, on est 4v4, il y a un bruit, j'ai entendu encore. Putain, je peux jamais avancer tranquillement, laissez-moi. Ah ouais, il y a une lésion. Il a voulu me la mettre dans le fion. Là, il y a un mec, il a remonté ce cas, les gars. Voilà, l'importance du casque. Et si je peux vous conseiller un truc, c'est le mode audio. Avant, j'avais le mode nocturne. Depuis que je suis passé en modifi, je vous jure, j'entends tout sur R6. Alors qu'avant, j'avais des putains de problèmes. Ok, doucement, on est 2v1, mon pote. Je te laisse planter, c'est très bien. Et moi, je me tire. Petit drone, mon vieux. Il y a les abeilles qui nous cover. Il va se prendre mes deux claymores, le poteau. Non, il les a cassés, il est pas bête quand même. Et voilà. À l'attaque. Ouais, je suis content parce que ça se passe quand même relativement bien. Les abonnés posent leur stuff, ils font les murs. Donc en vrai, là, il y a toutes les raisons. Enfin, non, plutôt les conditions qui sont réunies pour gagner, en fait. J'aime bien. Là, si j'arrive à mettre mon petit spawn kill, les gars, c'est le top du top. Ça arrive en plus, je crois. Ah, il a vu ma cam, il est passé en haut, le fumier. Oh sa mère. Je vais rester quand même concentré les mecs hein. On est loin d'avoir gagné. Allez, on se concentre. Le Fenrir il va sûrement faire une strat. Je vais essayer de rester à l'appui avec lui. Et peut-être de tuer quelqu'un rappel, on sait jamais les gars. Let's go, le timing que j'ai eu. Le meilleur timing du monde. Ça reprend le rappel les gars. Il a pas compris la leçon.
Vous avez pas compris les leçons, les gars. Ça a pris la CCTV doucement, doucement. Là, je vous parle sérieux avec le modifi, j'entends vraiment tout, les gars. Ok, il sait que je suis là. Ah ouais, il sait bien, bien, bien. Là, il est sur la passerelle à gauche. Dans ma logique, il peut revenir à droite. Moi, je l'entends là-bas. Mon petit abonné tient bon parce qu'ils sont bureaux. Ah, j'étais trop con, je pensais qu'il était de dos. Ah, j'ai voulu l'ajuster comme il faut, mais j'ai échoué. Ah, faut bien rester concentré, les gars. Ouais, 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 on est loin d'avoir gagné les blocs. Bien joué le spawn kill, ça j'aime bien. Faut jouer simple et entre guillemets efficace. Parce que clairement, hein, l'objectif de cette saison, c'est d'être champion, les gars. Il y en a un qui va être derrière le mur T1. Faut arriver à lui mettre une petite décale. Vas-y, mon petit Warden, je te fais des petites feintes. Dommage, en vrai, on aurait pu l'avoir. Oui, il l'a eu, bien joué les petites feintes. Ça joue qui le GOAT? Faut absolument mettre cette défense, les gars. Ah, dommage, 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 allez. Je vais faire une petite frost roaming, les gars. J'entends un mec, il est au-dessus. J'essaye de me faire discret. Elles arrivent d'où, les flashs, là, je comprends pas. Ok. Oh putain, j'ai bougé, merde. Oh, wesh. C'est quoi ce que je me prends? Je comprends pas d'où ils sont, là. Moi, dans ma logique, c'est CCTV ou alors mur T1. Faut lui manger ses morts. Et c'est ce qu'on a fait, bien joué les gars. Allez, manche décisive pour avoir notre deuxième victoire d'affilée. Je vais pas vous mentir qu'on commencerait très très bien là. Je crois qu'on a une Yana. Ouais, c'est une fake, dommage. Moi, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est on reste sur site, tranquille. En plus, on est 4v5, c'est pas grave en soi, c'est pas une fatalité. On a juste à attendre tranquillement mais sûrement. Ah, on a pas renforcé cette trappe, c'est embêtant. Celle-là non plus, c'est aussi embêtant. Continue à jouer au con. Ah merde, désolé, j'ai pas pu te sauver gros. Elle va remettre son hologramme. Voilà, SK au fond. Oula. Oh, elle va mettre une grenade, je pense. Il y a les abeilles de Grimm, là. Miel pops. Mais ici, si ça me time une grenade, je suis dans une sauce. Tiens, moi, il met des Grimm par le dessus, gros. Ouais, tu me vois vivre un peu. Laissez-moi. En vrai, on a 30 secondes, les gars, de la victoire, là. C'est gagné. Enfin, on est 3v4, c'est vrai, mais bon. Bien joué, aide d'élimination, GG, ça. Il est mort. Bien joué, le C4, let's go. Ça va peut-être sûrement venir au bac, maintenant. Ok, les gars, vous l'avez, le bac, je crois. Moi, c'est bon, j'ai une knock. Let's go, les gars, bien joué! Phénomène! Et bah, celle-là, c'était encore une plus belle victoire que celle d'avant, je trouve. Oh, les mecs, on a fait du 11-2. Ça fait combien en ratio? C'est beaucoup, ça. Oh, je vous jure, on se débrouille bien avec ma petite raie du cul. Et autant vous dire que ce compte-là a été champion. Donc, en vrai, là, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Enfin, perso, moi, je suis content. Je suis pas le meilleur joueur de Rainbow. Je suis pas non plus le pire. Tant qu'on prend du plaisir, qu'on s'amuse, qu'on fait kiffer les abonnés, c'est ça l'essentiel. Et on a pris 122 puntos. Bravo, les gars! Ah, enfin de la défense, les mecs, putain. Ça serait bien d'avoir consulat, en vrai. Oh, merci ceux qui bannent Clubhouse, putain. Vous méritez tout le bonheur dans votre vie. Allez, consulat. Oh putain. Moi, je suis content. Ouais, je pense qu'il faut enlever Jackal. Vous avez bien raison, les gars. Jackal, il doit être trop chiant sur cette carte. Bon, alors du coup, sur cette carte, un Fenrir, ça peut être très fort, mais une Frost également, les gars. En vrai, en ce moment, bah c'est mon agent préféré, Frost. En vrai, là, on a une bonne compo, je trouve. Ça joue qui prend Jaeger, merci, mon pote. Ça me fait bander. J'ai l'impression que vous êtes tous racistes de Jaeger. Oh, je le vois jamais en game. Alors, techniquement, ici, on a la fenêtre Objo, ça peut être intéressant de mettre un Frost, hein, forcément. La rotation, elle est faite. Je vais l'ajuster un petit peu. Hop là. Et hop là. Là, attends, ça mène où, cette fenêtre, là? Je découvre un peu la carte, les gars. Donc, il y a des mecs qui peuvent rentrer rappel, d'accord? Faut mettre des frosts un peu stratégiques, quoi. Bah, ici, forcément. On va mettre un double frost. Et on est donc parti en route, hein. Non pas pour le champion, mais pour notre troisième victoire d'affilée. Mais la carte est tellement, waouh, grande. Je vais être très honnête avec vous, je la connais pas. Et je crois qu'Echo non plus ne la connaît pas. Ah, y'a un bug, les gars. Putain, je peux même pas faire mes rotas tranquille. Oh putain. Tu attaques par derrière. C'est quoi ces big travers éolés? Oh, c'est sympa comme ligne ici, là. Ah, le poteau, il a mis un drone, le fumier. Tant que je lui fais perdre du temps, c'est le principal. Bon, que je fasse attention au travers. Je savais même pas qu'il y avait une fenêtre ici, les gars. Oh, ouais. Fallait peut-être pas qu'on tombe sur consulat encore. Y'a un mec qui rappelle, j'entends son fil. Ok, on va donc être en 3v4. C'est pas grave, tant pis. Oh, ce que je lui ai mis. Oh, c'est trop l'agent du siècle, les gars. Il y en a un à gauche et un à droite. Eh, je suis dans la merde. Ah ouais, attends, carrément, il y a un mur, là. Mais la carte, vraiment, je la connais pas, les gars. Mais le meilleur moyen de connaître une carte, bah, c'est de jouer dessus, c'est logique. Donc, c'est parti. Là, il y a la fenêtre toilette, je vais mettre un frost là, on sait jamais. Et le fait qu'ils aient mis une attaque, je vais pas vous mentir que moi, ça me plaît pas, parce que, bah, c'est vraiment un désavantage de ouf. Ok, le castle va se faire péter. Ah, c'est quoi ces bruits, là? Oh, il s'approche de partout. C'est quoi tous ces bans en haut à droite, là? What the fuck? Allez, ciao. T'avais, j'imagine même pas la galère qu'on va avoir quand on va attaquer. Ah quoi, j'ai pas le kill, comment ça? Eh, d'élimination. C'était mon kill. J'ai tout fait dessus. Voleur, va. Allez, bien joué, 5v1, c'est bien ça, les gars. Attention, c'est une hache, hein, on le sait. Hache est capable du pire comme du meilleur. Bien joué, les gars. Oh non, j'ai un ping désastreux. Non. Ça partait si bien. C'est chier, ça. Bandit fait le petit bandit trick. En vrai, y'a que deux murs, donc ça va, c'est cool. Mais là, tu peux mettre un frost si jamais il push l'objet, en vrai. T'as avec mes 190 de ping, j'arrive pas à poser un frost, c'est affreux. On va partir en dépression. Atroce. Dis-moi quand je tire dans le mur. Oh, bam. On dirait, je suis pas chez Orange, les gars. Je suis chez Banane. Oh, la côte des ténèbres. Mais oh, mais toutes les portes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais oui, trop de portes. Mais c'est pas possible. En tout cas, le mur objet n'a pas été encore percé, même si Kelly elle force, les gars. Ah, et dommage. Comment il est mort, lui? Attends, mais ils sont en l'air, là, tu vas me dire? What the fuck? Attends, mais le mur n'est pas ouvert. Comment il a pu mourir? C'est une question que je me pose. Ah, bah, comme ça, les gars, d'accord.
Oh, est-ce qu'il s'est pris? N'en parlons pas. Bien joué, 4v3 les plucks. 3v3 doucement, en vrai, je pense qu'ils connaissent pas trop la carte non plus en face. Waouh, la trappe, les gars! En fait, t'es pas mal ici, hein. T'es caché derrière le pylône, t'as une sale ligne sur le couloir, et tu sais qu'il y en a un parce que le porn a explosé. Et on a du petit Montagne, je crois. Oula, oui. À mon avis, lui, il peut pas me voir de la trappe. Oh, Montagne, il est tout seul, les mecs, il est tout seul. Hache, elle est au bac. Je pense qu'il vaut mieux se débarrasser de la hache en priorité. Ouais. J'arrive pas avec mon ping. Vous allez penser que je suis un putain de menteur, je vous jure, avec mon ping, ma sensi, elle est bizarre. Ah, vas-y, ça partait très bien. Et comme par hasard, 180 de ping, bah mon shoot, il part en couille. C'est de la merde. Et vous avez vu, c'est pas moi qui décide, hein. C'est le jeu, quand il a envie de faire chier le monde, bah il fait chier le monde. Fait chier. Et maintenant que je suis mort, j'ai 31 de ping, voilà, très bien. Bah merci, c'est gentil. Bah je vous jure, hein, j'aurais jamais loupé la hache, les mecs. Mon viseur, j'arrivais pas à le contrôler, là, c'est très très bien. Mais c'est pas normal, hein, de passer de 180 à 30. Je vous jure, c'est pas normal. Y'a que sur ce R6 que ça fait ça. On l'a normalisé, mais c'est pas normal. C'est de la merde. Oh putain, y'a un mec juste en face, mon pote, hein. Ah, oh, j'aurais tellement aimé l'avoir. Par contre, je connais pas la carte, je sais pas où m'insérer. Là, en fait, là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le toilette, là ou non? En vrai, si je suis pas con. Là, c'est le mur que j'ai renforcé tout à l'heure. Là, c'est le toilette, logiquement. Alors, attendez, je vais droner. Il m'en reste encore un, il est un peu loin. C'est vrai, bien joué, ça joue petit 5v3. Ah, moi-y, merde. Allez, go. Oh, vas-y, qu'est-ce qu'il branle là? Ah, il s'est mis dans un endroit stratégique, en vrai, il a raison. Ça va pas. Bon, après, il y aura forcément des games qu'on va perdre, hein. Mais ouais, ça peut arriver sur consulat. La map, alors attention, c'est pas parce qu'on perd dessus qu'elle est forcément nulle. Au contraire, la carte est très très bonne, les gars. Le problème, c'est qu'on ne la connaît pas. Du coup, bah, au niveau des automatismes, bah, y en a clairement pas. Là, tu vois, je savais même pas qu'il y avait une fenêtre ici, je viens de la découvrir. Et on a même pas trouvé l'objectif, je présume qu'il va être garage, en vrai. Mais on avance un petit peu en tâtonnant, vous avez vu? Au moins, tu sais quoi, ça fait une petite visite de la carte. Ouais, écoutez, il y a une trappe. On va mettre une clé mort au cas où pour un bac. Et écoutez, on va commencer un petit peu à droner là-dedans. Parce qu'effectivement, le BP est bien là. Il y a de l'azami. Là, il y a un mur qui est pas renforcé, donc c'est intéressant. Mais je sais même pas comment on y accède, en fait, là. Bien joué, 5v4. Bien, les gars, dommage. Allez, on va prendre les revenge, on y va. Oh, putain, mais je suis déjà sur site. Ah, attends, je te casse. Gros, vas-y, tiens. Tiens, t'as une grosse lead, vas-y. Amuse-toi. Oh, vous avez vu le pré-fire? C'est tellement dommage de pas avoir eu le kill. Maintenant, va falloir être solide. Oh, je l'ai vu. Bien joué, 4v2 là, on a gagné normalement. Faut simplement pas jouer au trou de balle. Opposé, les gars, je sais pas qui elle diffuse, mais faut taper une plante avant de se ramasser un bac des ténèbres. Plante là-bas, gros, plante! Ça, vous avez vu, c'est une erreur à ne jamais faire. Regarde, tu vois, parce qu'on sait qu'il est là. Très bien joué, ok. Mais là, faut planter en fait. Tu te mets dans un coin et tu bouges pas, quoi. Voilà! Après, attention, y a rien de perdu. Y a que 3-2 pour les adversaires. On peut largement remonter. Mais là, c'est vrai que c'est pas ma meilleure game, celle-là, les gars. Hein. Désolé. Si je vous dis que j'entends quelqu'un derrière ce truc, est-ce que vous me croyez? Oui. Attends, expérience sociale, vas-y. Tire. Ah non, y'a personne, je suis complètement taré. Mais je préfère quand même m'en assurer, tu vois. Histoire vraiment de prouver si je suis fou ou non. Ouais, effectivement, je dois être taré. Ah non, je suis pas taré, il est là. C'est lui. Il est là. La tête de moi, je l'avais entendu, les gars, vous avez vu? Le mode IFI, c'est trop important. Qu'est-ce qu'il y a, Twitch? Tu veux que je te fasse une trappe, mon copain? Ou alors ce mur? Mais je sais pas où c'est. Ah, je viens de me mordre! Je viens de me mordre, les gars, en parlant! Je suis une merde! C'est quoi ce mur des ténèbres? Ah ouais, what the fuck? Vas-y, j'avance avec toi, mon pote, hein. Je sais même pas où on est, là. C'est l'archive. Vas-y, go, on y va. On sait que le lésion, il est un peu mid-HP. Y'a un mec, là. Ouais, j'ai cru qu'il y avait un gars, gros. Mais là, c'est le site, en fait, c'est quoi? Je comprends pas. 3v3, doucement, mes petits ploucs. Là, y'a un rook là-dedans, là. Ok, Twitch, elle l'a eu, elle est en train de faire une sacrée game, Twitch. C'est très très bien joué, ça. Oh, l'autre, il joue avec un rapid fire, les gars. Je sais pas si vous avez entendu. Il me faut le diffuse, y'a personne, c'est bon? Allez, je le prends, go, je vais au bac. Non, parce qu'il est au bac, oh putain. Ouais, il est sur moi. Oh, mais il est à terre. Wouhou, let's go. Bah écoutez, on va refaire le même push en vrai avec Twitch. Parce qu'il m'a vraiment appris quelque chose, c'est un push qui peut marcher. En gros, c'est ce mur que vous cassez ici. Ah bah Buck, vas-y, c'est parfait. Oh, vous êtes des cracks, les gars, des putains de cracks. Ça me fait bander. Vous êtes les meilleurs abonnés. Au moins, tu vois, ça nous permet de nous insérer assez rapidement dans le bac. Et je suis sûr qu'il y a peu de personnes qui connaissent cette entrée en vrai. Bah cette fois, ils se sont mis bureau du PDG. Si t'enlèves la lettre G du PDG, on peut te mettre dans la sauce. On s'est pris de moins de là par contre, hein, ça pue. Ah, la trappe. Wow. Je crois qu'ils sont morts là, les potos. Alors avançons tout doucement. En fait, sur cette carte, les gars, faut prendre conscience qu'il faut surveiller beaucoup de portes. Et c'est incroyable, en vrai. C'est un peu un espèce de labyrinthe. Ah, là, le 2v5 fait très très mal. Je pense que cette manche, elle va puer. Ça pue. Oh, le 1v5, que dis-je? Oh, ce que je lui ai mis, le pré-fire des ténèbres. Ah bah je vais, mais c'était trop là. Ah non, bah je lui ai mis un de ces kills à l'autre. Je lui ai aspiré son âme. Mais une fois qu'après vous comprenez la carte, vous verrez, c'est trop facile. Là, faudrait préplacer un C4 par en dessous. Là, tu vois, tu mets un C4 ici quand ils viendront planter. Mais le problème, c'est que je sais pas où il faut se positionner en dessous. Mais tranquille, ça viendra avec le temps. C'est pour ça, vous découragez pas les mecs, hein, quand il y a de la nouveauté. À force d'y jouer dessus et à force d'avoir de l'entraînement, bah forcément, vous finirez par assimiler la carte. C'est logique, c'est normal. Logique. Vous allez pas pouvoir la connaître d'un coup. Mais attends, ouais, moi je veux mettre un C4 là. Donc attends.
Alors je descends et le C4 tu le préplaces. Ok, ici, bah c'est ce que je vais faire les gars. Et si je tape une sortie ici, là ça fait quoi là? Bah je présume qu'il y a une clé mort, ouais effectivement. Oh merde, mon ami Montagne, c'est pas que je t'aime pas, mais pas trop. Il y a un mec au niveau du garage. Oh putain, ils sont tous en train de me rusher, mon gros fiacos. Ok, doucement casse cette. C'est dommage que j'ai laissé mon C4 en dessous. Attention mon vieux, parce qu'ils doivent être deux avec le Montagne. Ça va venir au bas quoi, c'est sûr. Oh là, je sais pas où je suis là en fait là. Là on a le site, ok. C'est rentré, rappel. Oh, vous avez vu mon C4 préplacé? Ça c'est le, c'est l'intelligence. Voilà, 5v3, GG les gars, on se réveille, allez. Maintenant faut plus trop piquer en vrai de vrai. Mais le C4 préplacé par en dessous, bah vous avez la preuve en direct entre guillemets que ça marche quoi. Allez doucement les gars, 4v3 on pique pas, il y a toujours le Montagne en face. Il le joue de manière agressive en plus. Ça va rentrer Frost, attention. C'est le Montagne qui est rentré, ouais. Il sait pas que je suis là, je crois moi. Ah putain, merde, attention Frost, attention hein. Faut niquer sa mère lui. Au bac. Ouh, I feel good. Nanana. Oh putain merde, on s'est enfermé. Faut que je me taille, je me tire. C'est le Ace qui fait trop. Il fait trop flipper le Ace. Ouais, 3v1 doucement, moi je pique pas. Le Ace c'est le meilleur en face, il est en 8-4. Regarde, tu vois comme quoi faut pas piquer, maintenant c'est gagné. Ok, c'est bon, parfait. Oh, cette game elle est tendue, hein. Il y a 4-4, ça va être la manche décisive, les gars. Moi, il se rue. Bah, faut qu'on refasse notre push au niveau de la pièce magique. Parce que j'ai l'impression qu'en face ils la connaissent pas. Donc là, pour le coup, c'est un très très gros avantage pour nous. Mais le spawn kill, attention, j'ai toujours tendance un petit peu à les oublier. Mais go, on y va, les gars, on y va. Ouais, ils l'ont pas renforcé. Le bug il est là, vas-y, back. Vas-y, mon vieux, mets un coup de shotgun. Bim, bam, boum, bien ça. La vie est belle. Il y a un mec au fond, je crois, les gars, je suis pas sûr, mais j'ai cru entendre quelqu'un. Ouais, effectivement, il y a Smoke. Je crois qu'il a pris l'existence de la pièce magique et il est là, ouais. Et je voulais t'ouvrir le mur, gros, mais apparemment, t'as pas envie. Faut le baiser, le Smoke. Là, ça va être tendu, mais faut tenter un move. Là, il a renfort le poteau, ok. Ici. Attention, les gars, avec le goyo. Va péter. Oh, Buck, c'est un carnage. Oh, je t'aime. Moi, ça me laisse avec mes deux lance-grenades de hache, tu vois. Donc, c'est plutôt cool. Allez, je vais droner un petit peu parce que j'ai laissé un drone au bac, escajone. Et ça peut être très, très important de droner pour les collègues. Mais il y a un mute, fait chier. Et là, on le voit qu'il est derrière le pilier jaune. Il nous reste seulement une minute, les gars. Donc, va falloir se manier l'oignon un petit peu. Attention, t'as un goyo, gros. Aïe, le 4v5, c'est tellement dommage. En tout cas, le mur a été open. Il y en a un pilier. Il y en a un machin, là. Sur ce BP, il y a le rookie. Rookie, tu sais quoi, il est pour moi, rookie. Comme Spider-Man, les gars, faut prendre ses responsabilités. Allez, tire tes balles, Rookie. Attention, Twitch. J'ai plus de balles. Il est à terre. Qui a le diffuse, les gars? Qui a ce putain de diffuse? 3v3, sachant que l'autre, il est encore à terre. Non, mourrez pas. Mourrez pas, les amis. Il faut diffuser, vite. Faut que ma plante, elle passe. Il va me rusher. Et j'ai gagné! À poil! On se fait tourner! Les gars, c'est incroyable, on l'a game de fou! Oh, je suis choqué, je suis trop content! Oh putain, oui! GG Sajuki, GG tout le monde, on a fait une game de fou, les mecs! Mettez-vous tout nu! Les abonnés qui me regardent, mettez-vous tout nu! Désolé, si je crie vraiment, c'est que je suis content, ça vient du plus profond de mon trou de balle, là. Putain, cette game de ouf! Et en face, c'est sûr que c'est des anciens champions ou diamants, hein? Oh, la game de zinzin, de psychopathe! Oh, les mecs, c'est historique, c'est pour l'instant, c'est l'une des meilleures, je trouve, routes du champion. On a gagné nos 3 victoires, et avec la manière, c'est ça le pire, on est en train de niquer des mères! C'est une fierté! 122 points, wouhou! Ah, je suis avec une escouade d'abonnés, mais c'est incroyable. Sincèrement, je crois que c'est l'une des meilleures que j'ai jamais eues. Oh, les games de psychopathes qu'on est en train de faire. En face, ils vont enlever Stade Bravo ou Plaine d'Emeraude, les gars. Donc, si on enlève Clubhouse, putain, mais vous êtes les GOAT ultime. Moi, je pense qu'ils vont enlever Plaine en face. On va se retrouver à jouer sur Canal ou Oregon. Regardez bien la prophétie. Merde, ils ont enlevé Stade Bravo. Ma prophétie, elle est vraie, les mecs. Canal ou Oregon. C'est ma carte préférée, Canal. Enfin, l'une de mes cartes préférées. Oh, la game de zinzin qu'on a fait. Oh, les bans, ils sont curieux, les mecs, là. Atroce! En plus, on attaque, putain. On vient de faire une game de fou. Laissez-nous respirer, récompensez-nous. Et vous allez me dire, mais Banou, tu prends plus Buck. Ah, les gars, je crois que ça y est, mon amour pour H, il vient de reprendre le dessus. Je suis en train de les poutrer avec la G36 silencieuse. Et comme quoi, hein, vous avez vu, faut pas perdre espoir. On perdait 3-1, je crois, sur consulat, les rework. On a fini par remonter, les mecs. Grâce à ça, j'ai pris 122 points. Et c'est trop important, là, c'est les points que j'ai pris. Il y a un mec qui s'appelle Didiou ou la Moula. Tu peux être sûr que c'est lui qui va me tuer à chaque fois, je le sens. Mais c'est vrai que HG36 silencieuse, les mecs, si vous arrivez à gérer votre recul, bah franchement, je veux la comme ça. Hein. Parce qu'en vrai, elle est à son prime, hein, je vous le dis. Mais comme maintenant, c'est une nouvelle game, concentration, les gars, parce que plus on va gagner... Ah, je suis désolé, mon vieux. J'ai eu un petit train de retard. Donc on sait qu'on a un pulse qui potentiellement va rester là pour remettre son C4. Alors doucement, faisons attention à lui. Ok, il y a Warden aussi. Allez, insertion du joueur français, c'est parti. Faut pas que je perde la confiance que j'ai réussi à emmagasiner. Bien joué, les gars, vous faites un bon taf, là. Ah, le Fenrir. Je vois plus rien, je peux mourir à tout moment. Oh là là. Aïe. Ah putain. Il est fort cet opérateur, hein. Je vous le dis, je peux me prendre un C4 à tout moment maintenant. Attention, capi, doucement. Ok, mort. Je vais prendre un C4, c'était obligé, les gars. Je pensais qu'il l'aurait gardé pour le planteur, mais c'est moi qui l'ai ramassé dans le trou de balle. Ça me gonfle. Ah, y a Yoda et Siren, les gars, c'est des abonnés. C'est des bons gars, c'est ce qu'il m'a dit, que c'était un plaisir de jouer contre nous. En vrai, quand je tombe sur des abonnés qui sont pas toxiques, je vous jure, mais vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir de se dire qu'il y a des bons gars encore. Mais si réellement vous m'aimez, les gars, laissez-moi gagner, wesh. J'ai un champion à aller chercher. On est sur 3 victoires en plus d'affilée. Soyez sympa, poubelle, y a le bandit.
C'est 4. Oh, il a cassé son stuff. Ça, c'est parfait, les mecs. Là-bas, il y a un ping. C'est le Wamai. Oh putain! Faut que je sois agressif, les gars. Mais là, je suis pas trop en confiance. Alors, je vais prendre la confiance. Pétez! Là, en vrai, il sait peut-être pas qu'il y a un trou qui est fait, le poteau. Dommage, il a perdu son C4 pulse, je crois. Moi, je récupère le diffuse. Mais grâce à son C4, vous avez vu les lignes qu'il offre? Voilà. Moi, je dis Hagra. Ça, c'est plutôt exceptionnel. Non, il est encore sur C4. Oh, mais putain. C'était le Cade ou le bandit qui ont mis leur C4. J'ai la haine, les mecs. Putain, dommage. En vrai, Twitch, si t'arrives à me ranimer... Oh, tiens, le sang. Ah, dommage, il m'a mis un de ses travers. Ah, il joue bien en face, les gars. Attention. En tout cas, grosse dédicace à Yoda et Siren. Ceux qui m'ont envoyé des petits messages, bien évidemment, ils passeront dans la vidéo. Mais s'il y a des abonnés contre qui je joue, les mecs, laissez-moi gagner, putain. Il y a un mec, il est là, les mecs. Oh, putain. Ça a pété. Pété. En fait, sur R6, le problème de certaines personnes, c'est que des fois, vous hésitez à taper un push ou faire quelque chose, de prendre, entre guillemets, une décision. Mais faut prendre vite votre décision, et une fois qu'elle est prise, bah, ne perdez pas de temps et allez-y, en fait. Mais ils sont bons, en face, hein, ils jouent bien. Bien joué, ça joue qui? 3v3. Attends, mon gars, je vais te droner doucement. Là, t'as un truc. T'as froisse pour toi. Je suis désolé, mon vieux. J'ai pas pu te donner l'information avant. Maître Yodan l'a tué, c'est plutôt bien. Là, ils ont un BP de merde. En vrai, faut vraiment réussir à gagner. Je vais leur laisser un drone au collègue. Je vais le laisser comme ça. Et au bac, je sais qu'il y a le Mozi. Donc là, il y a que le doc sur site, en fait. Go mettre du stuff, les gars. Mozi, on va lui casser les couilles. C'est où cette alarme, là, de merde? Casse les couilles! Bon, ça, vas-y, mets ton shield. Moi, je garde le bac. Ok, let's go. Et le Dox, il l'a eu. Très bien, les gars. Belle attaque. Bah, je pense que Jaeger, en vrai, là, il va être important parce qu'ils vont taper des grands push. Je le sens. Faut savoir que je suis pas le meilleur joueur avec Jaeger, les gars. J'ai du mal à contrôler son arme un peu. Ouais, j'ai un peu de mal. Il y a une Kali, vous avez vu la grande balle là qui vient de passer? Ouh. Faut que j'arrête de piquer, en vrai, faut que j'arrête. Ça va passer là, mon petit Capcan, tu vas la zigouiller, je pense. C'est quoi ça? What? Là, faut que je me taille. Je le sens pas. Ah ouais, mais les rappels H. Je pensais pas qu'elle était rappel. Je pensais qu'elle avait mis un H de l'extérieur, les gars. Putain, merde. En vrai, bien joué, elle m'a ken. Là, c'est une technique à faire, ça, avec Ace, en vrai. Comme ils vont ouvrir le mur, les gars, et que le mur, généralement, il est un peu ouvert en l'air, et bah après, ils ont une animation pour sauter, ils peuvent se prendre le frost. C'est un pari à tenter. Et là, maintenant, on a de retour une remontada à faire, les gars. On devient fou. Et le Ace, effectivement, je crois qu'il va ouvrir le mur dans pas très longtemps. Ça joue qui? Bien joué, on est donc en 5v4. En face, c'est qui est mort? C'est Doudou la Moula. Faut qu'on tue Yoda, les gars, c'est le plus fort. Enfin, après, ça veut rien dire, les kills en vrai, hein. Mais faut qu'on arrive à le tuer. Ah ouais. Là, ici, ce Frost, les gars, je vous jure, il est trop bien, lui. Il fait trop mal. Alors, du coup, je reprends ma caméra, ils ont pas ouvert le mur. Ça m'arrangerait qu'il l'ouvre, hein, je vais pas te mentir. 4v4, c'est pas grave. Yoda, il est chaud, les mecs. Faut lui montrer que le côté obscur est meilleur que lui. Le poteau, il a mis une clé mort, mais il va peut-être passer là-bas, du coup. Ah, dommage, j'ai pas eu le bon timing. Ouais, je pense qu'ils vont pas l'open, ce mur, dommage. Mais il nous reste 50 secondes et on est pas si mal. Normalement, si on tient toutes nos positions, on a gagné. Il y en a un qui va me push, peut-être en bas, mais j'ai mon frost pour me sauver. Aïe, 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 il fallait pas perdre le poteau, les mecs, là. Oh, putain. Là, on a trop rushé, les gars, encore. Oh, misère, on était tellement bien. Comment est-ce qu'on a pu se prendre ça? L'autre, il plante. Je peux le faire, les gars, je peux le faire. C'est qui reste en face? Il reste Ibai. Le poteau Ibai, je sais pas, il est où. Ah, dommage, je pensais pas qu'il était là, les gars. Ah, il a bien joué, j'étais pingé. Et il m'a chicoté. Putain de merde. Bon, bah, c'est notre première défaite de la journée, c'est pas grave. Mais à la fin, je trouve qu'on a un peu trop tous piqué d'un coup, en vrai. Hein. Mais enfin, bon, GG bah, tout le monde, Yoda et tout, aussi en face. C'est notre première défaite à cause de vous, bande de vilains abonnés. Et on va voir combien on perd bah, de points, les gars. J'espère pas trop. Dans la logique des choses, je pense qu'on va en perdre 8, un truc comme ça. Bon, si on peut en perdre moins, ça sera le top. Mais on va en perdre 8, ça va. On a été ridiculisés. Ah, mais encore l'attaque, oh. Je vous le dire, c'est la première fois que je vois ça. On est abonné pour attaquer ou... Putain, j'ai clairement pas envie de jouer sur banque, mais je sens qu'on va jouer sur banque. Moi et ma poisse, les mecs, je le sens de ouf. Bah non, c'est bon, on l'a banni, GG les gars. Et si on rejoue canal, c'est un truc de ouf, hein. Allez, ça va, chalet. C'est une bonne carte, chalet, j'aime bien. J'aurais tellement aimé faire un perfect aujourd'hui, genre gagner toutes nos games, en vrai ça aurait été trop beau. Mais bon, la réalité c'est que faut bien perdre des games de temps en temps un petit peu. N'empêche, certains vont me trouver fou les gars, mais Favela elle me manque en classé. Je vous jure, elle était trop bien. Mais c'est comme les gens, ils savent pas jouer les nouveautés, ils ont préféré faire ouin, elle est nulle la carte. Bah du coup Ubisoft ils l'ont retiré. Vous allez me dire en vrai de vrai que vous trouvez que Bank elle est meilleure que Favela? Je chercherai même pas le débat avec vous les gars. Putain, on a perdu Thatcher d'entrée, ça fait trop mal de perdre le Thatcher. C'est limite notre meilleur joueur. Alors le perdre d'entrée de jeu, c'est pas la meilleure chose à faire. En vrai j'ai tellement envie de taper un putain de push les gars, oh là là. C'est quoi ce truc rose là qui bouge? C'est une tête ça? J'ai juré que c'est une tête ce truc là-bas. Oh non. Oh, ce qu'il m'a mis, lui! T'as trop la rage! Ah, ils ont pas l'air mauvais en face. Tant mieux, en vrai, ça nous entraîne comme ça. Allez, go, on va droner le trophée, mon pote. Si on peut s'insérer en toute tranquillité, j'en ai l'impression. Donc, c'est bien. Mais tu vois, ça me paraît un peu trop calme. Ok, il y a le Warden. Le bon vieux Warden, va falloir s'en occuper. Hein, parce qu'il me paraît un peu trop excité, ce bon vieux Warden. Oh merde, c'est 4.
Ok, j'en ai eu un. On se barre. On a fait un kill. Faut juste attendre qu'il pique. Mais on avait King pour récupérer le diffuse. Donc là, deuxième C4 utilisé, ils en ont plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il est où? Putain, je vous jure, je comprends pas la game là, comment elle se passe. Ok, le bug il push. Et je crois qu'il y en a un là-bas, les ploucs. Je suis pas sûr que j'arrive à savoir et que j'ai l'information, mais je crois qu'il est là-bas, le poteau. Warden de mes couilles. Ah, il est chaud le Warden, les gars. Ah là, je suis en 1v3. Je suis tout seul. Ils sont tous en train de me rush. Mais je rush, en fait, j'ai pas le diffuse. Donc là, les gars, ce que je suis en train de faire, ça sert à rien. Il me faut le diffuseur. Ah, j'ai pas de plan de jeu, mais il y en avait un à gauche qui était coincé. Ah, il était là. Ouais, ils sont bons, les mecs, en face. Ils jouent assez bien. Ah ouais, vraiment, je pense qu'on doit tomber sur d'anciens champs là. Après, c'est normal, hein, ça joue qui et moi, on l'a été, donc au niveau du matchmaking, c'est entièrement logique. Mais donnez-nous des diamants, les gars, c'est mieux. On va pas s'en plaindre, hein. Y'a un mec, il est en train de tirer. Mon drone, il est bugué. Les gars, mon drone, il est bugué. Ah, vas-y, je peux plus bouger. J'ai juré, je ne peux plus bouger. Ah, vas-y, j'ai pas de chance. Y'a qu'à moi qui ça fait ça, les gars, je vous jure. Allez, le barbelé, ça dégage. Cassé! Est-ce que je peux le reprendre, mon drone? Ah, oui, ça marche. J'ai pas mis un hache là-dedans pour casser le barbelé. C'est une dinguerie, hein. On est en train de se faire froisser le fion. Ah, elle m'a fait peur. Oh, misère. Cette game, elle est tellement chaude là. Au bac. Oh, j'ai pas le droit, ce que j'ai failli louper. C'est bon, je me rattrape, les gars. Allez, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il push, le poteau, les gars. Allez, faut que j'agresse. Oh, j'agresse bien, les mecs, là. Ça, j'aime bien. Le Fenrir. Ouh, prise d'information, on est 2v1, gros, 0. Attends-moi. Là, il y a un gu. Non, gros, attends-moi. On est 2v1. Attends-moi. Je te drone. On va partir en dépression. Ah, les gars, faut tout vous apprendre, en vrai. Hein. Moi, j'ai pas l'info de village, je sais pas. Putain, je vais mourir. Moi, je l'entends au top, hein. Putain, fais chier. Eh ouais, il va jouer la vertie. Il était en hauteur, je l'ai entendu. J'entends un mec dehors, les gars, mais c'est Amaru, il est rentré au top. Let's go, je l'avais entendu. J'ai tué le meilleur en face. Là, je suis en 8-2. Eh, les gars, je vous jure, je suis en train de faire des bonnes games. Hein. Je fais des meilleures games sur mon compte champion que sur mon Smurf platine. Cherchez pas à comprendre, y a rien à comprendre. Doucement, les gars, doucement, tranquille. Y a que. On est qui en 4v3. Bien joué, ça joue qui très bien, ça. Le couloir bleu, il fait peur, hein, les gars. Si personne le tient. Oula, oh là là, je sais pas, j'ai pas l'info. J'ai pas du tout l'info. Vas-y, je tiens le bleu si tu veux, Kade, en vrai. Hein. Là, j'ai une petite caméra pour me dire s'il rentre au niveau de la fenêtre. Là, ouais, ça passe au couloir bleu. Le couloir bleu, c'est ici, les mecs. Ouais, elle sait que je suis là. Tranquille en soi, j'ai un viseur à coque, j'ai l'avantage normalement. Kade, il a la porte là-bas. Ouais, on est bien les gars, normalement. Faut juste que j'arrive à prendre l'info d'où elle est. Il reste 20 secondes et je pense que c'est gagné. Elle passera pas couloir bleu, les gars. Non. Elle est passée carrément sur le site. Et l'autre, il est porte thermite, les mecs. Et normalement. Oh, c'est gagné, j'ai même pas eu le kill, dommage. Là, l'important, c'est de garder cette zone. Donc attendez, une petite caméra blindée. Et à moi seul, je vais tenir le BP comme un grand garçon. Après, bien sûr, faut qu'il vienne là, quoi. Y a un mec qui push SK, les gars. Ouais, il est juste contact. Putain, on a perdu sa Juki le GOAT, les gars. Ah, bien joué, elle m'a entendu, elle aussi. Putain. Bon, allez, hey, petite manche décisive, les gars. On va pas se cacher que là, c'est une game très, très, très serrée. Ah, dommage, mon pote. La revenge a été prise, c'est très bien, ça, les gars. En face, ils ont pris Rem, il a pris un fuse. Et effectivement. Ah, il en remet un. Fuyez, malandreur, fuyez. Là, si on avait un pulse, oh, le free kill qu'il aurait. Ok. C'est rentré sur site, en fait, les gars. C'est rentré, what the fuck. Mais comment ça rentre comme ça? Non. Moi, j'avais pas l'info que c'était rentré. Oh, c'est pris de moins 2 en plus. On s'est fait défoncer. Oh non, poteau, il s'est pris un spawn kill. Oh, les gars, non. Oh, y'a Yana. Si elle m'a vu, ouais, bah, chose faite. Waouh. Ah, il sait que je suis là. Il va être 2 sur moi, les gars. Je suis voué à la mort. Ah ouais, donc KB et tout. Maintenant un lion, ah, ils veulent ma peau, hein. Oh, la flash. Non, mais vraiment, là, je vais mourir. Elle est sortie d'où, cette flash, là? Oh non, il y a un abonné qui me spamme de messages. Oh, les gars, je vais vous bloquer, hein. C'est quoi le projet de me spammer de messages? Tu penses qu'en me spammant, je vais plus te répondre? Au contraire, gros, c'est l'effet inverse. Je suis en train de jouer, il me spamme, le poteau. Oh, au revoir. Un peu de respect, les gars. Là, il y a un Fenrir pour le couloir bleu, ça va être incroyable ici. Il nous reste 30 secondes à tenir. Moi, si je garde ma ligne dans, dans les bouteilles de vin, je suis trop bien. Bon, ça me saoule, mais vous allez voir que maintenant j'ai lâché ma ligne, ils vont arriver au bac. En vrai, c'est écrit. Bien joué, 4v2, c'est bien, les gars, très bien. Ouais, vous avez géré la fougère. Bien, les gars, bien. Somme pieux. On fait que des games de zinzin. En vrai, franchement, les abonnés, je suis fier de vous. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne alchimie. Alors écoutez, là pour l'instant, bah, on gagne 4-3, mais on attaque. Donc va falloir être solide pour clôturer cette game de la meilleure des manières. Mais par contre, la manche d'avant, je suis choqué. Ils m'ont mis Lyon, Dokebi, des flashs dans la gueule. Et ils voulaient pas que j'avance, les potos, hein. Je vais m'insérer par le top. Hop là, nickel. Une clé mort random qui peut marcher pour le vigile si jamais il revient, tu vois. Hop là. Et là, il m'a mis un ping jaune, le poteau. Oh, dommage. Oh, ils sont deux, les mecs, ils sont deux. Ah ouais, oui. Ils m'ont baisé. Bon, mes amis, c'est la manche décisive, il y a 4-4. Je vais pas vous mentir que là, c'est critique. En face, ils sont bons, c'est ça le truc, ils sont bons. Ils sont en train de nous mettre une sale pression. Attention, ton capcan, gros, il a été piraté. Là, il y a une rota, elle est trop importante, cette rota ici. Carrément, je vais en faire une autre, là. Ouais, Frost, franchement, c'est un agent, elle est trop forte. Elle a le viseur 1.5, en défense, elle a un pompe pour faire la rota, et elle a une compétence qui est super forte. En vrai...
Que voulez-vous de plus, les gars? Non, fallait pas qu'il meure, le poteau. Là, les gars, faut jouer au jeu du chat et de la souris. Moi, avec mes trous, c'est un labyrinthe. Aïe, 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 là, par contre, ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. C'est rentré. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je recharge absolument. Eh ouais, mais c'était trop compliqué. Mon ami Kaïd, tout repose sur toi. Ah, dommage. Ah, on est tombé sur meilleur que nous, je pense, les gars, en vrai. On a fait du 10-6, mais ouais. En face, ils ont été quand même meilleurs, donc GG à eux. Tu vois, quand tu perds des games et que les gens sont meilleurs, moi, ça me pose pas de soucis. Mais là, ça fait 2 défaites d'affilée. Aïe, aïe, aïe. On était relativement bien partis. Mais en vrai, c'est pas grave, tant pis. On va perdre 8 points. Par contre, faut perdre le moins de points possible, les mecs. Hein. On en perd 8, certes, mais faut pas enchaîner les défaites. Oh, mais l'attaque, c'est trop. C'est trop grave. Oh, banque, elle est chiante! Et en face, ils enlèvent plein d'émeraudes. Et après, on a une chance sur 3 pour jouer sur la meilleure carte du jeu, les mecs. C'est le destin, que veux-tu? Regarde, t'es moi le plan de jeu! C'est trop bon! Qu'est-ce que vous voulez voir de plus? Bon, bah écoutez, le retour de H. Hein. Bon, maintenant, il serait temps de regagner, les gars. On a fait un très très bon début de vidéo, mais sur les 2 dernières games qu'on a fait, malheureusement, on a perdu les 2. Après, franchement, on jouait pas trop mal. Mais malheureusement, des fois, ça se joue à rien, Rainbow Six. Comme vous le savez, ça se joue à des putains de petits détails, les gars. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, là. Perso, moi, c'est la canicule. Je suis en train de coller à ma chaise. Bien joué, ça joue qui? Il a chicoté le caïd, hein, c'est une très bonne chose. J'ai l'impression qu'il y a personne en bas, là. Eh bah écoutez, go! C'est parti! Attention à la caméra, mon vieux. Prenez toujours le réflexe de casser les caméras, les gars, c'est un conseil con. Mais je vous jure, casser les directs. Vous les voyez, bim. Ne vous posez pas de questions, bim bam boum. Je sais pas s'il y a pas un mec derrière là, les gars. Est-ce qu'on est audacieux un peu? Hein? Quel dommage, j'ai vraiment entendu quelque chose. Allez, go! On y va! Ah, dommage, j'ai tenté, les gars, je tente le beau jeu. Oh, c'est un champion, il a la carte. Le poteau, il a la carte du champion. Ça va être une très belle game, les gars. Alors, concentration, wesh. Doucement, les gars, doucement. Ils sont toilettes, c'est le BP, ça, que je sais le moins attaquer. Théma. Ah, ça aurait été si beau. Ah, comment elle fait peur, Yana, tais-moi les yeux qu'elle a. C'est l'empereur Palpatine. Bien joué, Yana, t'as géré. Très bien joué, mon plouc. Eh, je vais te droner carrément. Là peut-être y a un gars, non? En tout cas, le fuse, il va tout casser, le fuse. Oh oui, le fuse. Oh, dommage. Vas-y, fuse, vas-y, fais tout casser, tout péter. Donc là, le BP, il est très bien cassé. Il a failli mourir à la greu. Allez, go, faut que je reprenne confiance un peu, là. Il y a le bloqueur de drone, sa mère. Il y a personne sur site ou comment ça? Ouais, il y a personne, les gars, en fait, là. Ouais, comment elle est morte? Ok, il y a le Fenrir. Ah, il avait piqué. 3v1, les gars, il est où l'autre là? Je sais pas. En tout cas, l'abonné il plante, bien joué. Je pense qu'il y a personne sur site, hein. Aïe, aïe. GG, les gars, très bien. Oh, ce qui m'a mis, what the fuck? Mais vas-y, gros, non. Ah, je suis pas rentré dans la game encore. Ça va pas tarder, vous en faites pas. Voilà, exactement comme ça. On s'est vengé de Ella. Vous avez vu les pré-fire comme ça? Comme ça marche tout le temps? Les pré-fire sur R6, y'a rien de mieux que ça quand tu les gères bien. Oh! Ah, tu vois, j'ai failli m'en prendre un. Là, c'est une belle game, hein, contre d'anciens champions, les gars. Les bloqueurs de drones, en vrai, c'est pas mal. Ça, faut casser, là, le barbelé. Péter! Et au top, j'ai un drone, les gars. Donc, attention, bien, wesh. Le fuse va faire très, très mal au top, les gars. Bien joué, les gars. 4v2. Il est pas à terre, là. Tu vas mourir, mon vieux. Wesh, il est où? Oh, la tête de moi, j'ai rien compris ce qui s'est passé, là. Ok, bien, les gars. Très, très bien. Tapez-moi une petite plante. L'autre, il est en l'air. Oh, il a sauté. Let's go, les gars. Très bien joué. Eh, j'étais en 0-3, j'ai fait une manche, moins 3 les gars, bim. Comme quoi, vous avez vu, faut pas perdre espoir. Oh, Kelly. Oh, ce que je lui ai mis, c'est violent. Oh là là, je suis en train de les pénétrer. Venez les champions, je vous attends. Je vais vous remettre à l'état de champignon, ça vous fera du bien. GG, 5v2 les gars, vous gérez. Dommage, allez, on perd pas espoir. Là, vous avez vu, on était 5v2 et là on est 2v2. Ça c'est un truc, c'est pas possible. C'est clairement pas normal de se prendre une moins 3 comme ça. Là maintenant ils vont open le T1. Voilà, c'était obligé les ploucs. Je vais être droné, ils vont rusher. Vous êtes prêts? Je vais me faire baiser de quelque part. Ah, ils vont taper une plante, c'est sûr. C'est quasiment obligé les gars. Vas-y mon Thorn, vas-y fais un kill. Bien joué, Thorn. Thorn, il a fait le kill victorieux, je pense. C'est un très bon plouc. Oh non, j'ai oublié de décaler. Oh les gars, tellement j'ai les doigts froids, je vous jure, quand je fais une décale, des fois, il y en a qui me demandent, Balou, pourquoi tu fais pas une décale? Parce que je vous jure, ça me fait trop mal aux doigts. Putain, on était 5 temps, c'est pris ça. C'est pas normal, les gars. Je vous jure que c'est pas normal. C'est le genre d'erreur, malheureusement, qui ne pardonne pas. Drone de Flores? Ah non, c'était quoi? C'était Bravo, ça. Et là, c'est Flores pour le coup. Bien joué, 5v4. Bien, les gars, très bien. Est-ce qu'il les rappelle? Oh mince, il est pas rappel. Non, non, pourquoi il m'enferme? Pourquoi tu m'enfermes, gros? Pourquoi? Non, il m'a enfermé, le poteau. Je crois qu'il veut que j'aille me faire enculer, c'est ça?
Oui, j'ai eu bravo les gars. Mais on a encore le Flores. Bien joué, 4v1, l'autre il est à gauche. Mais je sais pas si c'est une clé mort si je sors. Ok, bien wesh, très bien joué. Allez, manche décisive les gars. En vrai, c'est une très bonne game contre les champions là. Donc si on pouvait la gagner, ça serait incroyable. Drone de Brava. Oh mince, fais chier. Drone de merde. Il a une de ses gueules de concade en vrai. Putain, elle a encore cassé les trucs. Il y a une nomade, les gars. Nomade. Elle a mis une boulette au-dessus. Elle en a même mis deux. Que le sort nous soit favorable. Il y a une Oza aussi. Le drone de Brava. Je sais pas si je l'ai eu. Vas-y, c'est 4. Vas-y, c'est 4. Oh, dommage. Comment ça? Oh, je l'ai eu le drone. Je l'ai eu en plein vol, les gars. Aïe, 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 dommage. Faut surtout pas aller en prolongation, c'est impossible. Ça push, gros. Ah ouais, ça push bien comme il faut, hein. Ah, là, on est 3 sur site. Bien wesh, moi j'ai plus trop de vie, je sers plus trop à grand chose. Je sais pas du tout si on a un objectif en vrai. Oh là là, c'est chaud hein. Oh, je suis dans la merde noire. Comment tu veux que je fasse maintenant là? Oh ouais, ça va aller planter hein. Ah, ça pose les gars, ouais bah ouais. Ah, fait chier ce truc là. Ah, je pouvais pas. Ah, ils jouent bien en face les gars quand même hein. Ils nous font des belles petites attaques. Là le problème sur le BP c'est qu'on était trop cloisonné, on pouvait rien faire, il y avait pas de rotation au niveau de l'autre BP, tu vois. Donc pour collecter, c'était c'est chaud quoi. En fait, t'es piégé dans ton propre BP. Là, je suis trop vite sur site, en vrai je le sens pas trop. Ouais, faut faire doucement les gars. Très très doucement. Ah, ça aurait pu, dommage. Oh, y'a un mec là hein. Ah vas-y frère, il me casse les couilles lui. Bon allez, c'est pas encore fini mais on perd 4-3 les gars, on perd trop de game là. Ah là, push dans mon viseur. Ça j'aime beaucoup. Voilà les gars, bien ça. Maintenant faut plus piquer en fait, faut juste attendre. On est 5v3 donc si on attend, forcément c'est gagné. Non les gars, ça sert à rien d'aller chercher du kill. On va la perdre les gars la game, c'est écrit. Ah 3v3, je vous l'ai dit, hein, c'est écrit. Là le drone de Bravo qui a l'info sur moi, je vais me faire travers. Si on la perd la game, je vous jure les gars, c'est entièrement mérité. Putain, c'est pas possible, un 5v3, non mais non. Putain, maintenant je suis dans la sauce. Eh ouais, et l'autre il a l'info sur moi le drone. Bah ouais, il est où maintenant? Il a pris la cam hein, les gars. Moi je vais me faire tuer dans le bac. Voilà, c'est tellement écrit. Ah ouais, bah forcément, c'est honteux de perdre ça, honteux. Il a pris un frost, il y en a un qui a pris un frost, les gars. Quoi? Ah là, franchement, c'est honteux. Vas-y, t'en as un, gros, s'il te plaît. Vas-y, mon gars. Oui, mon gars. Allez, diffuse, mon gars. Normalement, t'as le temps, j'espère que t'as le temps. Tu peux nous sauver. Il nous a sauvés. Mais franchement, là, être en 5v3 et repiquer exactement comme la manche d'avant, mais c'est ne pas comprendre les erreurs. T'es 5v3, pourquoi tu as piqué des kills dehors? Je comprends pas. Mais en tout cas, GG à l'abonné, il a sauvé la manche là. Moi, je vous le dis, hein, cette game, jamais on doit la perdre. Là, on aurait déjà dû la gagner. Je crois qu'ils sont, ouais, ils sont aux toilettes, ils sont en train de faire caca. Ils sont en train de couler un petit bronze. Allez, je vais placer un petit drone. Là, il est parfait ce drone. Ça, j'aime bien quand je place des drones comme ça là. Ça, j'aime bien. Téma, j'ai la vue sur la rota. Mettez pas de ping rouge, les gars, on est parfait là. Non, mais qui a mis un ping rouge? Putain, mais les gars, vous le faites exprès! Mais des fois, je me demande si vraiment vous faites pas exprès parce que vous savez que ça me fait chier. Moi, faites pas ça, hein, les gars, parce que je vous jure, je vous ravite pas. Alors, attends, je vais pouvoir droner. Prendre un peu d'informations. Ok, il y en a un derrière le petit bureau. C'est une Valkyrie. Là, on a un contact au smoke, il est allongé. Vous avez vu comme il est important ce drone? S'il te plaît, vieux, mets juste ta tête. Ta petite tête. Mais il y a un maestro, les gars, là-bas. Hop là. Oh, les deux Jaeger ont absorbé mon H, j'ai la haine. Mais forcément, vu que les abonnés ont mis un ping rouge sur mon drone, j'ai plus de ping rouge. Enfin, j'ai plus de drone. Merci, les gars, c'est sympa. Ah, je vous jure, le travail, il est saboté. Il y a un mec au contact là-bas. Hein. Ah, j'ai entendu son grand coup de pompe. Non, on a perdu, les gars. Putain, cette game, on aurait vraiment dû la gagner, hein, je vous jure. De toute façon, c'est à chaque fois pareil. Toujours ça pique, toujours ça met des ping rouges, je sais pas, quand vous allez comprendre, les gars. Et pourtant, attention, hein, je suis pas là pour tryharder. Mais quand c'est des erreurs de zgeg comme ça, ça casse les couilles. Ah vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Allez, heureusement qu'on la perd cette game. Encore une fois, on la perd en 5-4. Honnêtement, on méritait pas de la perdre avec ces erreurs de merde là qu'on fait. Ça casse les couilles les mecs, ça casse les couilles. Téma, lui il est en 16 kills, il se balade là, il a essuyé son cul contre nous. Allez, c'est pas grave, on passe à la game suivante. Mais s'il y a des abonnés qui regardent la vidéo, sachez-le, mettez pas de ping rouge et piquez pas bêtement. Parce qu'après, résultat, tu perds quoi. Allez, écoutez, c'est pas grave, nouvelle game. En attaque, bien sûr, hein. Sinon, c'est pas marrant. Il faut que cette game se passe, qu'elle se passe mieux. En face, ils vont enlever gratte-ciel, je pense, les mecs, vu que c'est des trous de balles. Ah non, ils ont enlevé plein d'émeraudes. Allez, gratte-ciel. Oh non. Ah, quoique, si, ça va. Du coup, on est de retour en attaque. Ah, il a pris H, le poteau. Bah écoutez, on va prendre... Buck, allez. Soyons fous, partons sur un buck. Je l'ai pas joué de la journée, ça risque d'être calamiteux. En fait, là, les games, tellement elles sont serrées, elles se jouent à des détails, vous voyez. Et ces détails, malheureusement, ça passe par le fait de piquer et de ne pas piller avec mon drone. Là, je vous jure, cette game d'avant, on aurait dû la gagner, celle d'avant également. La seule qu'on mérite de perdre, je crois, c'est celle sur Canal, où vraiment les abonnés étaient trop forts, contre qui on est tombé. C'est la seule qu'on mérite de perdre, je trouve. Regarde, gros, non, mais rentre pas comme ça. Vous êtes des ouf, les gars, des malades. C'est un coup, il y avait un mec, il avait la ligne sur toi et tout. Jouez safe, les gars, tranquille, il y a le temps, il y a 3 minutes pour attaquer. Ok, il y a un abonné qui est mort là-haut. Je sais pas s'il est tombé, si je peux le ranimer. Ah bah non, je peux pas, il est mort. Je vais te venger, mon ami. Non mais,
me colle pas. Ah ça y est, je crois que ça, on va commencer à tilter les gars là. Ah on va vraiment commencer à tilter. Ça commence un petit peu à me courir sur le haricot. Oh il est passé à travers le mur le poteau. Il a disparu. Ah c'est H qui elle me colle les gars, j'ai horreur de ça putain. Allez faut pas tilter, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah vas-y c'est trop. Ah vas-y yeah. Là tu vois c'est dans ces moments là où il faut pas tilter. C'est là où il faut se dire que je sais pas ce qu'il faut se dire mais il faut se dire un truc. Ah mais c'est dommage, on perd des manches trop bêtement je vous jure. Car si c'est beaucoup trop simple mais la vie on se la complique trop. Après bien sûr c'est mon point de vue. Putain mais j'en ai marre, oh, par pitié, arrêtez de me coller les gars, pitié. Ça sert à rien d'être deux au même endroit, pitié. La trappe ils l'ont renforcée bien évidemment. Allez ça c'est bien, je le lion, très bien. Cependant y a un pulse les gars. Je suis pas bien sûr que le pulse soit notre ami. Voilà l'open kill, enfin les gars. Voilà y'a le Wamai, très bien. Action, réaction. Voilà les mecs, belle attaque ça. Ça joue simple mais efficace. Maintenant on se prend pas le 1v5 les gars. Hein. Le diffuse mon copain, vas-y, 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 cours, cours, cours. Oh là là, pas le 1v4. Et on sait qu'il est là-bas là. Il est dans la douane le poteau. Le poteau les gars, il est douane. Donc à la douane, on l'attend tranquille. On garde une petite ligne, il va finir par venir. Et on le pique pas. On sait qu'il est coincé donc tranquille. Voilà, bien joué les gars. Quitte à vous le redire et me répéter, je vous le redis les gars. Pour gagner sur Rainbow Six, faut vraiment se concentrer sur les petits entre guillemets détails parce que c'est grâce à eux que vous allez gagner. Voilà, bien joué, gros. Il m'a fait un petit trou, comme ça je peux rentrer. Voilà. On a l'info sur la Mélusie. 5v4, c'est bien joué. Elle est douane. Normalement, elle va faire un petit tour au niveau de son BP, sûrement, ou non? Elle reste au niveau de la douane? Là, tu vois, je peux me permettre de la piquer parce que j'ai des informations sur elle. J'avance pas à l'aveuglette. Là, le seul risque que je peux me prendre, c'est me ramasser un travers. Je crois qu'il l'a eu, Ying. Non, il l'a pas eu. Elle est encore douane. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Par contre, j'ai plus trop de vie. Il y a le pulse, il est derrière, les gars. Je l'entends, le pulse. Le pulse de ses morts, il va peut-être mettre un C4. Faites attention, hein. Allez, ça dégage. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin, les mecs? Ah, j'ai peur! Oh! Celui-là, c'est un Frost aussi, hein, que je peux vous conseiller. Vous avez vu tout à l'heure, il s'est pris Brava. Et résultat, ça a fait gagner la manche parce qu'il s'est retrouvé en 1v1 après. Wesh! Mais putain, mais pourquoi il passe devant? Putain, Capcom! Elle est en train de push, moi je tire pas parce qu'elle capcan devant moi. Mais là c'est en train de me saouler frère, il y a tout ce que j'aime pas. On me colle, on me pique, on met des pings rouges, c'est bon, là c'est chiant. Et pourtant les mecs, attention, j'ai rien contre vous, au contraire c'est cool de jouer avec vous, mais là sans déconner, non. Il y a H, elle se balade BP, moi je vais pour tirer et je peux pas, il y a capcan devant moi. Ah bah bon courage, force et honneur mon petit pulse. Bien joué, dommage, en vrai il pouvait rien faire plus. C'est pas méchant les gars, mais c'est trop chiant d'avoir toujours quelqu'un qui te colle et voilà. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête, je pense que je vais arrêter après. Ou alors je vais changer des squads. Parce que ça se passait très bien au début, hein. Attention hein. Je sais pas, j'ai l'impression que là, vous avez plus envie de jouer les gars. Et que vous faites, vous avez décidé de... Bah je sais pas, de jouer bizarrement. C'est encore un proxy du site hein. Je me taille mon pote. Non mais tu vois, putain, pourquoi toujours quelqu'un qui me colle? Ah sans déconner, c'est trop chiant, c'est insupportable en fait. Y'a HCCTV les mecs. Il a joué le kilo capcan, très bien. Mais logiquement ça va aller. Bah ça va aller planter les gars. Eh ouais, là je me retrouve tout seul. Que veux-tu que je fasse? Y'a le montagne qui va me push. Avec un mec qui va me rusher partout en fait. Ça va être trop dur les mecs hein. Il est où son diffuse de mort? J'aurais pas le temps. Ah j'aurais jamais le temps. Bah il a gagné les gars, bien joué à lui. C'est trop dur, j'aurais essayé de le faire mais malheureusement bah là j'ai pas eu les épaules pour faire ce clutch. Je sais pas si j'arrête ou si je change entre guillemets des squads. Parce que là on fait que des putains de défaites qu'on peut éviter en fait. Et je vais pas vous mentir que ça me casse les couilles. Certes je perds 8 points mais voilà je suis cuivre les gars, je m'en bats les couilles d'être cuivre. Bon du coup on va relancer les ploucs. J'ai fait une petite pause de 1h30, je suis parti manger. Je me suis fait des pommes de terre, pour être plus précis des patates rissolées avec des herbes de Provence. Masterclass. J'ai donc changé les squads d'abonnés. J'ai fait entre guillemets tourner. Donc j'espère que ça va mieux et bien se passer. C'est parti, nouvelle game. En espérant avoir une bonne carte parce qu'on attaque encore une fois. Il va y avoir consulat, c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait consulat les gars. Et dans la logique des choses, on enlève Clubhouse. Eux vont enlever parc d'attraction. Et si on retombe sur frontière, ça va chier les gars. Voilà, tu vois, le plan se déroule exactement comme prévu. Oh oui, Oregon, enfin. Bon par contre, ça fait 1h30 que j'ai pas rejoué, ça va piquer là. Allez, c'est parti. Concentration de retour. On va reprendre notre petite hache silencieuse. T'as comme j'aimerais avoir le Black Eye sur la G36, c'est l'une des seules armes où je l'ai pas. C'est très important sur Oregon de laisser un drone dans le bac là. Alors essayez de mettre d'une façon à ce que ça ne... Bah que personne puisse vous le repérer. Allez, c'est parti les gars, on y va. On doit sortir de ce cuivre, hein. C'est le moment ou jamais. Oh, par contre là, faut que je me rechauffe, hein. Ouah, putain, j'ai fait une pause de 1h30 les gars. Je suis plus chaud là. Faites attention, il y a de la frost en face les gars, d'accord? Je sais que personne m'entend, mais je vous le dis quand même. Allez, on y va, c'est parti. Oh merde, et moi je tire dans les alibis. On est en 2023 et je me fais encore niquer comme ça. Alors grenier, je présume qu'il va y avoir des gens. Ouais, il y a Ella, il y a une rota. Allez ma petite Ella, viens. Faut la piquer là, Ella. A votre avis, pourquoi faut la piquer les mecs? Parce qu'elle a une putain de mitraillette et moi j'ai le viseur 1.5.
Alors c'est le bon moment pour le faire. Bien joué Sajuki. Sajuki c'est le rescapé de, de la précédente escouade les gars. Attends Pinka, je vais te droner mon pote. Ah y'a un... Putain je peux pas, y'a un mozi. C'est à nous de jouer les gars. Y'a Ella grenier, je le sais. Alors pourquoi est-ce que j'ai peur de la push? Hein, pourquoi? Ah faudrait tellement que t'arrives à me casser le mozi mon pote là. Ah, casse les couilles cette torne les mecs. Vas-y Pinka, fais un push, 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 faut y aller là. Oh merde! J'ai un petit peu de mal là sur cette game. La petite pause d'1h30, elle m'a fait assez mal. Alors permettez-moi de me ressaisir et de bien jouer de retour. On va prendre le top. C'est très important parce que je crois qu'il y a une frost, les gars, qui se promène. Alors elle est ici, il me semble. Je vais vous la droner. C'est important, on va voir ça. Durant la phase de préparation, je l'ai vu aller là-haut. Oh oui. Ah, j'étais pas travers là. Aïe aïe aïe. Oh oh oh. Elle a dû redescendre en bas, les gars. Bien joué. Ah, il a pris un frost, le poteau, faut le réanimer. J'arrive, je suis là. Petite claque sur le cul. Et c'est parti, ça repart. Attention les gars là-haut, hein. Oh là là, le C4. Ouais, la pause, elle m'a fait mal. J'ai plus d'automatisme en vrai là. Ah, je pense qu'il faut que je mette une clé mort au bac ici les gars. Et que moi je leur fasse mal. Ok, on a perdu le diffus, c'est pas grave, tant pis. Non les gars, non. On se prend toujours des moins deux bizarres. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on apprend jamais de nos erreurs. Let's go, allez. Allez, allez au top. Prends le diffuse. Voilà, très bien le diffuse, bien. Et là, tu vas planter là-bas, vas-y. Il a sauté trappe. Voilà, bien mon gars, vous avez vu comme c'est simple, R6. Ah vas-y les gars, on est 4v5, j'ai l'impression qu'il y a toujours une couille. Tu sais, j'invite des abonnés, vous le savez en fait, la game, comment ça dure de temps. Si vous pouvez pas jouer, en fait, ne jouez pas. L'abonné, il doit déconnecter. Mais en fait, viens pas si tu sais que tu dois déconnecter. Moi, c'est pas méchant les mecs, hein, mais vas-y, moi je dois monter champion. Et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect de votre part, je vous jure, c'est un truc de malade. Je me casse le cul, j'invite des abonnés, faire des concepts avec vous et vous quittez les games. Il n'y a pas de respect en fait, c'est honteux les gars. Ouais, on va encore la perdre celle-là, ça casse les couilles. Tu sais, c'est pas méchant, mais quand je vous invite sur Insta, il y a des milliers, vraiment, je rigole pas, il y a des milliers de messages. Il y en a plein hein, qui veulent jouer à votre place. Mais c'est irrespectueux que vous quittiez les games comme ça. C'est un truc de malade. Allez, avec gridlock maintenant. Vas-y, casse les couilles, gros. En face, ils sont en train de se la buter, eux. Quand je vous dis qu'ils se la butent, c'est ça se lave pas. Attention, couloir blanc derrière toi, Warden. Ah ouais, y a, au couloir blanc, il y a le sledge. Oh sa mère, on va se faire défoncer. Faut que j'aille tuer le sledge, les gars. Hein. J'y vais. Tel est mon destin. À moins qu'il soit déjà rentré sur site, ce qui a l'air d'être le cas. Non, il était. Mais il sort d'où? Eh vas-y, ça me gave, les gars. C'est un coup, je referai plus de concepts avec les abonnés. J'irai jouer en solo. Ah, ça ira très bien, j'irai jouer en solo, vas-y. C'est pas normal, tu fais des concepts, les gens les quittent. Ah, bon courage, Valkyrie, elle pourra rien faire, la pauvre, en vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je fais encore une game, les gars, s'il se passe une couille, j'arrête. À un moment donné, quand c'est pas les serveurs, c'est les gens qui quittent. Quand c'est pas les gens qui quittent, c'est les gens qui jouent, qui font n'importe quoi. Bon, je vais perdre 8 points, en soi, c'est pas grave, mais vas-y, je fais une dernière game, je force pas. Si jamais ça va pas, bah ça va pas. Oh putain, enfin une game où on défend, les gars. Ah, il faut qu'on ait un petit peu de réussite quand même. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que les éléments sont contre nous. Alors, si c'est frontière, c'est une dinguerie, hein, par contre. Ça va, on a de la chance. Je vous jure, rien que le fait de défendre moralement, ça fait du bien. Je sais pas si Miral veut faire une décale, là, moi, je la laisse faire. Je vais mettre mes petits frosts, tranquillou. On avait fait un début de vidéo, il était parfait, les gars. Que des full victoires, c'était trop bien. Mais entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mur se fait ice, les gars, attention. Oh, j'ai mis des balles à quelqu'un. Ah, le drone de feu flow. Oui, je l'ai eu. En tout cas, il y en a un qui a pris un peu de balles, les gars. Attention. Non, mon frost. Il est mort. Bien joué, 5v4, open kill est fait. Bien, et d'élimination 5v2, mais là c'est trop beau là. Ok, il lui palpe un peu les couilles, bien joué. Le last il est dehors les gars. Il est derrière son Osa surtout. Oh oh, attention les gars. Oh oui, elle est toujours là les mecs. Hein. Elle est sur le tech à gauche. Non, les mecs, non, c'est trop grave. Ah, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de quitter. Elle est rentrée, les gars. Ah, vas-y, t'es-moi, vas-y, ce que je prends. Bon, ça va qu'on a gagné la manche, hein, putain. Aïe, 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 les mecs. Ah, c'était rentré, rappel, les mecs, il y avait Amaru. Ok, couloir, j'entends quelqu'un qui court, les gars. Oh, what? J'ai fait un kill? Il avait dû prendre un frost, en vrai. 3v3, doucement, les gars, s'il vous plaît. Couloir, il va être pour moi. Oh, c'est pas une tête. Oh, je suis choqué. C'est un scandale. C'est honteux. T'es moi mon jeu, gros, il est bugué. Je peux pas changer d'agent. C'est quoi ce délire? Ouais, j'avais pris Frost. Mais c'est quoi ce délire? Oh, j'en ai trop marre. Vous avez vu les mecs? Je vous dis, mon jeu, il doit être possédé des fois. C'est pas possible. Oh, il m'arrive toujours des galères sur ce jeu. Mais c'est pas normal. Oh, j'ai plus de mur pour faire la trappe. Oh, la misère. En vrai, moi, dès qu'on perd une game, les gars, j'arrête. Hein, je stoppe l'hémorragie. Non, mais putain, c'est pas possible. Les gars. Ah putain, sa mère!
Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je l'entends pas lui. C'est vrai que les games sont devenues vachement bizarres. Hein. Les trois premières qu'on a eues, c'était des masterclass, mais puis après c'est devenu trop chelou. Ah là, je peux vous dire qu'au niveau confiance, là, je suis au plus bas, les gars. Là, j'ai peur de taper des push en fait et de laisser mes alliés en 4v5. Je préfère assurer entre guillemets la victoire, mais j'arrive même plus à le faire, les gars. Je crois qu'il y a un mute quand je vais avancer. Ah, je peux pas. Merde, putain, mais ils jouent bien en face, les gars. Ils font chier. Oh, C4. Oh, le C4. Oh, oh putain, j'ai couru dedans, moi. Mais j'ai entendu là le C4, mais c'est bizarre. Là, je vous jure, il y a des trucs, les gars. Là, c'est vraiment bizarre. Oh, ce que je lui ai mis, voilà, ça, c'est la chance qui sourit aux audacieux. Il est où son mute, là, de ses morts, là? Casse les couilles, son mute. J'en ai vu des agents chiants dans ma vie, mais alors lui? C'est le roi des chiens. T'es mal, je peux pas rentrer, regarde, je vais sauter. Oh, mais y'a un mec! Faut que j'aille taper un poche par en dessous, les gars, j'ai pas le choix. 3v3, 2v3, j'ai rien dit, allez, tu sais quoi? Tentons le tout pour le tout. Oh putain. Oh, il nique sa mère. Oh, sa mère. Waouh, waouh, waouh. C'est la Ligue des Champs. Hein? Le mec il est sorti. C'est la Ligue des Champions en face, les pots, qui met des trucs de ouf. Ok, il y a un ping jaune, ça veut dire sûrement qu'il y a un mec au-dessus. Mais que veux-tu que je fasse concrètement? Ah! Vas-y, viens me pique. Ah, vas-y, ils sont trop forts, les gars. Ouais, moi, en face, moi, c'est des Thanos. Je dois gérer des deux duels en même temps. Je peux pas. Je pense que ça y est, les gars, on est rentré dans la malédiction de la ranked. En vrai, parce qu'on fait des bonnes games, hein, c'est ça le pire. C'est pas comme si on était nul à chier, tu vois. Encore, t'es nul, je comprends. Mais c'est que là, j'ai l'impression qu'on se démerde quand même assez bien, quoi. Bien joué, ça, la grenade. Belle grenade, belle bite. Est-ce qu'on peut rentrer, nous? Ouais, je crois que oui. Allez, on y va, c'est parti, gros. Je crois que j'en ai mis un à terre, je suis pas sûr, les gars. Non, je l'ai touché, mais je l'ai pas mis à terre. Vas-y, fuse, fais-toi plaisir, mon salaud. Il y a le Jäger ici, les gars. Jäger est mort, c'est bon. Ah vas-y, ils sont tous en train de piquer, je comprends pas comment ils jouent. Bien joué, j'ai confiance en toi mon pote, tu peux le faire. Faites gaffe au capcan les ploucs, hein. Oui, tu l'as vu les sourcils, bien mon gars. Tu vas le chicoter. Oh, il est pas pris. Oh, ils s'en est pris des balles gros, mais vas-y, c'est un truc de ouf. Bien les gars, très bien. Ils auront fait exactement la même défense les gars, là faut absolument aller en prolongation, je vous le dis. J'ai trop envie de la perdre cette game, elle est trop importante. Est-ce que je vais faire? C'est peut-être dangereux de le faire. Et oh oui, c'est trop dangereux, je le ferai pas. Il y a un espèce de truc de drone d'observation là. Oh putain, oh là, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est plus Rainbow Six Siege, c'est Rainbow Six Valorant. Oh, je me suis pris la foudre, la peste choléra, les mecs, c'est trop grave. Allez, les capcans, c'est bon. Au niveau du couloir jaune, il y a le Fenrir, les mecs, hein. Je sais pas s'il m'a vu, je crois pas qu'il m'ait vu. Faut aller le chercher, le Fenrir, faut vraiment le chicoter. Oh, mais il avait mis 3 capcans, les gars, vous allez me dire 3 capcans. Moi, j'en ai cassé 2, je pensais qu'il y en avait que 2. Il a mis 3 capcans ici, le mec. Je pensais avoir tout vu. Eh ben j'ai pas tout vu. Ok, Fenrir il est toujours là. Il a un shoot bien naze en plus. Je sais pas comment ils font pour nous gagner d'ailleurs, c'est ces types. Ah let's go, il y a une trappe qui est faite, ça c'est bien. 4v5 c'est pas grave, on va te venger. En vrai j'ai le diffuse, je le veux pas le diffuse, je peux pas rusher avec H. Moi il faut que je rush en vrai. Je vais essayer de faire Non, je vais faire un back, mais non. Si je perds le diffuse, il reste que 20 secondes, et ouais, effectivement, parce qu'elle est là. Il y a la alibi qui est en train de push, et moi j'ai plus de vie, les gars. On est mort, on a perdu. Partez du principe que c'est perdu, les gars. Vraiment, c'est mort. J'ai pas tiré sur le truc là. Ah ouais, je peux pas. Vas-y, Nock, tu peux le faire, Nock, allez. Ah, vas-y, dommage. C'était trop dur. Ah ouais, je sais pas ce qu'il faut faire de plus, les mecs, pour gagner. Donc, écoutez, c'est pour ça, je pense qu'on reviendra pour un prochain épisode. On aura fait quand même relativement de bonnes games, mais là, je pense que c'est le moment où faut arrêter de jouer, vraiment. GG en face, ils ont été très bons. Et puis, dans le prochain épisode, vraiment, faut corriger ce qui va pas, les mecs, hein, parce que là, il y a trop de choses qui vont pas. Bref, je vous dis à très bientôt, les ploucs, et bien pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Ciao!